Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare. Et aujourd'hui, on n'est pas au studio, ça je pense que vous l'aurez bien vu. C'est pas un fond vert, on est bel et bien dehors pour simplement suivre un partenariat entre l'EFAP et Wondershare. Je vous explique un petit peu, l'EFAP organise pour les étudiants de deuxième année un challenge de rentrée qui va simplement consister à créer une vidéo et vous l'aurez bien compris. Wondershare, avec son logiciel Filmora, s'est associé à l'école pour vraiment permettre aux étudiants de créer une vidéo en toute simplicité. Je vous le dis maintenant, vous aurez davantage d'informations un petit peu plus tard. Je vais passer également devant 400 personnes pour présenter le logiciel Wondershare Filmora. Donc souhaitez-moi bonne chance, j'ai hâte et on va tout de suite à l'école. Alors, un peu de contexte avant d'y aller, donc je vous explique un petit peu. Aujourd'hui, on est mercredi et on est simplement devant l'EFAP de Paris. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, de mon côté, je vais passer devant 400 personnes pour leur présenter le logiciel Wondershare Filmora. Et donc, pour expliquer un peu le contexte, évidemment, les étudiants ne le savent pas encore, ils vont devoir créer un clip vidéo sur la référence de Orelsan Basic. Je pense évidemment que vous avez la ref. Ils vont devoir aussi bien refaire les paroles, mais aussi refaire toute une musique complète avec une vidéo, un montage, tout ça. Et Filmora leur permettra de le faire en toute simplicité. De mon côté, je vais passer pendant 15 minutes pour présenter les grandes bases de Filmora, donc les effets, comment importer un contenu, les autocollants et ainsi de suite. Et ensuite, au-delà de ça, pendant toute la semaine, on sera présent pour les aider. Donc ça peut être aussi bien par email, par visio, même physiquement à l'école ce vendredi. Et j'espère évidemment que vous serez très nombreux à suivre tous les contenus. Et je vous le redis, mais re-souhaitez-moi bonne chance parce que là, je vais passer devant 400 personnes. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai beau cumuler 10 000 vues, 100 000 vues, 500 000 vues sur des vidéos, ça fait toujours un petit peu bizarre. Donc souhaitez-moi bonne chance et on y va. On va vous demander de vous approprier cette chanson en créant un clip musical avec pour objet. Parce que vous n'avez pas les bases. Vous allez utiliser Orelsan, vous allez être créatif et vous allez vous imprégner du règlement des études et vous allez prendre des choses qui vous amusent. Pour ce séminaire, le privilège d'avoir un partenaire avec nous qui est Filmora, du groupe Wondershare. Qui connaît Filmora peut le lever la main. Donc Filmora offre à chacun d'entre vous une licence. Mais l'idée, c'est que vous montiez votre clip sur ce logiciel. Et après, nous avons un jury qui va se réunir et qui vont sélectionner les meilleurs projets. Et après, il y aura une remise de prix parce qu'ils ont des cadeaux à vous mettre. Alors, maintenant, on va juste laisser Soulena pour présenter un petit peu l'app, vous parler un petit peu de la licence que vous allez avoir et après, on prendra la parole pour une dernière chose. Bonjour à tous. Alors, je me présente, moi c'est Souleymane, je suis créateur de contenu sur YouTube, notamment pour Wondershare qui est juste ici. Mais en tout cas aujourd'hui je suis présent pour tout simplement représenter Wondershare et vous parler un petit peu du challenge qui ont été évoqués juste avant. Et franchement vous allez voir c'est un outil qui est en gros de montage vidéo qui est globalement très simple à utiliser. Et dites-vous en fait que ce montage vidéo vous allez le faire vraiment même si vous êtes amateur. Je sais quand on vous parle de clip vidéo, là on l'a vu à l'instant, j'ai vu un petit peu toutes les réactions qu'il y avait. Voilà ça fait un petit peu peur, surtout pour dimanche. Mais je pense que vous connaissez aussi pourquoi pas Canva. Et comme vous le savez, sur Canva, il est possible de faire des présentations extrêmement facilement. Dites-vous en fait que Filmora, c'est un peu le Canva du montage vidéo, tout simplement. Vous allez avoir plusieurs templates qui vont être intégrés. Et autrement dit, si vous souhaitez par exemple mettre des effets, utiliser des templates par rapport à des titres plutôt sympas en 3D, bref, tout ce que vous souhaitez, ce sera possible. Vous avez pas mal de fonctionnalités liées à l'IA. Autrement dit, en demandant simplement à Filmora, pourquoi pas, de vous retirer un fond ou n'importe quoi d'autre, vous aurez la possibilité de les retirer vraiment en quelques clics. Et du coup, moi aujourd'hui, donc comme je vous le disais, je vais un peu vous présenter les grandes bases, mais surtout en fait pour vous montrer les bases. Donc là actuellement, on est tout simplement sur Filmora. Et pour glisser une vidéo, c'est très simple. Vous l'avez sur votre PC, vous la glissez sur le logiciel et elle apparaîtra exactement comme moi. Ensuite, en bas, vous avez ce qu'on appelle une timeline et en haut, vous avez aussi pas mal de grandes catégories. Donc vous avez par exemple les médias libres. Dans cette catégorie, vous aurez la possibilité d'avoir une énorme base d'images et de vidéos. Vous avez honnêtement une énorme base de données avec énormément d'images, donc profitez-en si vous souhaitez embellir, pourquoi pas, les vidéos. Vous avez aussi la possibilité, en fait, tout simplement sur un clip, pourquoi pas, d'utiliser ce qu'on appelle la découpe intelligence. C'est une nouvelle catégorie et avec celle-ci, le fond va automatiquement se retirer. Et ensuite, maintenant, on a bien le fond qui s'est retiré.
Et maintenant, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de mettre un autre fond, pourquoi pas une image. Eh bien, vous allez voir, il y a simplement le fond qui va se mettre derrière vous. C'est quelque chose de sympa. En général, il faut un fond vert pour le faire. Là, c'est pas le cas. Avec la découpe intelligente, toujours, c'est un petit tips. Je me suis dit, je vais quand même vous en parler parce que je trouvais ça plutôt sympa pour un clip musical. C'est simplement, en fait, le fait de refaire exactement la même chose. On va créer deux pistes vidéo. En gros, vous aurez une piste vidéo qui va être la classique, qui va être en bas. Mais en gros, sur la piste vidéo numéro 2, on va avoir aucun fond. Et on aura la possibilité de mettre des effets uniquement sur la piste vidéo numéro 2. J'aurais bien la possibilité de le faire, sans pour autant toucher au fond en fait, et qu'il n'y ait pas d'effets qui s'appliquent également au fond. Et de cette manière-là, en fait, vous avez énormément de possibilités parce qu'il y a beaucoup d'effets. Ensuite, vous avez une troisième catégorie, donc dans les titres, encore une fois, pareil, vous avez énormément de templates de titres qui sont disponibles. Donc moi, de mon côté, si je souhaite par exemple en mettre un qui est juste ici, il va apparaître en bas à gauche. Donc par exemple, pour l'entrée du titre ou pourquoi pas aussi pour une sortie, si elle vous plaît et que vous ne savez pas réellement comment le faire ou que vous n'avez pas vraiment aussi le temps, et vous aurez la possibilité donc de simplement prendre le template. Vous avez aussi une autre catégorie qui est juste à droite du titre, qui est donc les transitions. Et dans les transitions, encore une fois, pourquoi pas mettre un effet de zoom. Là, vraiment, vous avez la possibilité de choisir la transition que vous aurez ici. Donc il y en a énormément, comme je vous l'ai dit. Vous avez vraiment toutes les transitions qui sont bien catégorisées. Je voulais montrer un petit peu ce que j'ai pu trouver et qui était sympa. C'est pourquoi pas quelques effets en 3D qui vous permettront de switcher d'une première vidéo à une deuxième. Ensuite, vous avez une autre catégorie qui est les effets. Et les effets, c'est la catégorie indispensable pour un clip musical. Vous aurez donc la possibilité de mettre, pourquoi pas, un fond. C'est un peu un filtre, finalement, comme ce qu'on a sur une photo classique. Il vous suffit simplement de choisir l'effet que vous souhaitez, de l'appliquer directement sur la vidéo en le glissant, en déposant sur le rush vidéo que vous avez. Même potentiellement, si vous avez une vidéo qui n'est pas en très très bonne qualité, vous aurez la possibilité de l'embellir. Je le rappelle, il y a évidemment des cadeaux qu'on vous offre derrière ça. Pour le premier groupe, il y a donc 500 euros. Et hier aussi, on s'est un peu chauffé et on s'est dit, pour les personnes qui auraient envie de poster leur vidéo en ligne, si vous le souhaitez, c'est pas du tout nécessaire. On fera un tirage au sort. Si vous postez la vidéo avec le hashtag Wonderchar EFAP, on fera un tirage au sort avec ça. Ça va pas être lié à la qualité ou autre. Et aussi, Wonderchar, c'est pas que un logiciel de montage vidéo, c'est aussi pas mal d'autres outils, notamment, pourquoi pas, du PDF Elements, du Hedro Max et autres. Il y en a un, par exemple, qui se nomme PDF Elements. On l'a sorti là tout récemment en version numéro 10 avec une IA intégrée. Et franchement, ça change complètement les choses de travailler avec une IA. Mais franchement, vous avez pas mal d'offres qui sont dispo sur le site, notamment des offres uniquement dédiées pour les étudiants. Donc franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous rendre dessus. Donc j'espère que vous allez passer tous un très bon challenge. Voilà. Bon, j'espère évidemment que mon petit discours vous aura plu. C'était un peu une grande première pour moi de le faire devant 400 personnes. C'est un peu un tuto. Vous me direz, oui, tes vidéos, elles font 1000, 10 000, 100 000 vues. Oui, c'est vrai. Mais là, vraiment, 400 personnes irréelles, c'était un peu, un peu bizarre. Mais ça m'a fait très, très plaisir de le faire. Et pour vous, on va faire une petite conclusion pour que vous ayez vraiment tous les éléments sur le challenge de la semaine avec l'EFAP. Donc, en fait, vous devez savoir qu'on est sur un challenge d'une semaine complète. Et parce que maintenant, je suis devenu enseignant grâce à mon discours que j'ai fait juste avant, je vais prendre ce petit feutre et vous mettre quelques points clés, prenez des notes. Donc en gros, là on est sur un challenge d'une semaine, ça c'est le premier élément que vous devez noter. Mais aussi, il y a entre 350 et 400 étudiants qui vont participer au challenge. Donc c'est vraiment quand même quelque chose d'assez conséquent, c'est vraiment l'intégralité des étudiants de deuxième année de l'EFAP Paris qui vont y participer. Mais évidemment, on est quand même sur une courte durée, donc pour ça, ils seront par groupe de 4. Donc en fait, vous devez vous dire que là, les 350 à 400 personnes, il y aura au final entre 95 et 100 groupes. Ensuite aussi, comme vous l'avez vu aussi sur la vidéo et le passage de mon discours, on aura quelques cadeaux pour eux, pour leur faire plaisir, pour les motiver à participer à ce challenge. Donc parmi les cadeaux, on a tout simplement décidé de mettre 1000 euros de cadeaux spécialement pour eux qui vont être répartis pour les 3 premiers. Le premier, il aura 500 euros qui sont répartis par 4, donc ça fera des cartes cadeaux de 125 euros. Pour le deuxième, il y aura 300 euros, vous l'aurez compris, c'est exactement pareil, répartis par 4, 75 euros. Et ensuite pour le troisième, 200 euros, donc répartis par 4, 50 euros. Je pense quand même que c'est quelque chose qui va motiver pas mal de personnes et j'espère aussi que vous serez nombreux à suivre le challenge toute la semaine sur la chaîne YouTube. Donc là, c'était vraiment l'annonce. On aura également quelques passages avec des étudiants. On aura aussi une cérémonie, une remise de prix. Vous verrez également le jury qui va donc noter les vidéos. Je serai dedans. Il y aura aussi l'EFAP, il y aura des enseignants et d'autres personnes. Donc j'espère que ce partenariat vous plaira. Dites-nous dans l'espace commentaire si vous souhaitez peut-être voir d'autres types de vidéos de ce genre sur la chaîne. Et moi, de mon côté, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas,
vous connaissez la musique, laissez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos, et désormais on se dit à très bientôt, c'était Soussou, allez, bye tout le monde.